Shame on you, you and women. Shame on you, all women and girls. 会议所邀请的同胞人保持起码的尊重。La Chine recadre l'ambassadeur israélien devant tout le monde. En plein discours sur la situation à Gaza, l'ambassadeur israélien a pris la parole pour critiquer avec son arrogance habituelle. Il a exprimé des critiques envers l'ONU Femmes, qui a condamné les attaques contre les civils en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, notamment contre les femmes et les filles. Mais vu qu'Israël, avec ses nombreuses résolutions de l'ONU non respectées, ne sont pas habitués à ce que leurs caprices soient contrariés sur la scène internationale, l'ambassadeur israélien en plein discours a été surpris par la réaction du président de séance, qui est le représentant de la Chine. Pékin l'a réprimandé en lui demandant de se montrer respectueux à l'égard des personnes invitées. Shame on you, you and women. Shame on you. Is you and women not charged with ensuring that, I quote from their website, all women and girls... 尊敬的以色列代表，我想提醒你，你可以在发言中完全表达你的不同意见。但请对会议所邀请的同胞人保持起码的尊重，这是安理会的一贯的惯例，也是大家都应该遵守的规则。我提醒你注意，我请你继续发言。Thank you, President. Rappelons que la Chine n'est pas un allié inconditionnel d'Israël et soutient résolument l'État de Palestine en tant que membre des Nations Unies. Que pensez-vous de la réaction du représentant chinois au discours de l'ambassadeur israélien sur Gaza? Partagez-moi vos avis dans les commentaires. Pour suivre l'actualité, n'oubliez pas d'ajouter le snap dans la description.